Il est heureux en couple, mais ce bonheur ne plaît pas à tout le monde. Rudy Pankow, qui interprète Gigi Maybank dans la série OT Banks, disponible sur Classe Égale à HRL Netflix, est amoureux d'une certaine Hélène Simay. Les tourtereaux se seraient rencontrés sur le plateau de tournage du fameux programme dévoilé aux abonnés en 2020, puisque la jeune fille aurait tenu là-bas un rôle d'assistante. S'il a pour habitude de garder sa vie privée pour lui, le comédien de 22 ans a finalement pris la parole à cause des nombreux commentaires négatifs visant sa petite amie au quotidien. Je veux remercier tous mes fans et mes followers incroyables qui me donnent de l'amour et me soutiennent et sont là pour partager des choses marrantes. Écrit Rudy Pankow. Malheureusement, je veux vous demander d'arrêter de manquer de respect et de harceler une personne que j'aime sincèrement et ce. Chaque jour. Les choses ont atteint un point tel que de fausses rumeurs et des accusations circulent. Ce qui va bien au-delà de la haine. Elle est l'opposé de ce qu'on l'accuse d'être. Accuser quelqu'un qu'on ne connaît pas, lui reprocher d'être abusive et manipulatrice. Ce n'est pas acceptable, surtout quand on n'est pas au sein de cette relation. Guillaumet. Pour illustrer son propos, Rudy Pankow également aperçu dans The Politician. Dorian Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, a partagé une photo sur laquelle il porte Hélène Simay sur ses épaules. Une scène qu'il aurait préféré conserver secrète s'il n'avait pas eu besoin d'hurler son mécontentement. « Je suis très heureuse avec elle », poursuit-il. « Je sais que je ne le montre pas activement sur les réseaux sociaux. Mais c'est une décision personnelle que de garder ces moments pour moi. Tous ceux qui inventent des choses à propos de celles que j'aime et de notre relation doivent cesser. Je veux exprimer à quel point il est important de diffuser des choses positives et utiles. » Plutôt que du mécontentement pour quelque chose ou quelqu'un, encore plus quand on peut le faire de manière anonyme. Guillaumet. En attendant, Hélène Simay a rendu ses comptes privés, sur les réseaux sociaux. Espérons que le message de son chéri soit largement entendu.